Maman, donc comme tu causes avec la mère de ton gars, tu penses que c'est une garantie. Donc tu es la belle fille acceptée et valorisée dans la famille. Nécrologie, décès de la jeune influenceuse et TikTokeuse Stéphanie, connue sous le pseudonyme de Madame Cooper. Le monde artistique camerounais a nouveau plongé dans la tristesse. Les hommages se multiplient au Cameroun, après l'annonce il y a quelques heures seulement, du départ précipité de la jeune talentueuse, influenceuse et TikTokeuse Madame Cooper. Le pays tout entier pleure l'une de ses plus célèbres enfants, emportée par la grande faucheuse, à l'hôpital général de Douala, dans des circonstances encore inconnues. La triste annonce, qui a dans un premier temps divisé les opinions entre ceux qui confirment et ceux qui n'en reviennent toujours pas, fait la une des pages de toutes les plateformes médiatiques camerounaises et bien au-delà. Cependant, son décès vient d'être confirmé par Robinson Pifot, présent sur les lieux avec, pour garantie, une image de sa présence accompagnée du commentaire suivant. Consternation, une famille en pleurs, et inconsolable, c'est confirmé et c'est vérifié, nous sommes actuellement aux urgences de l'hôpital général de Douala. C'est triste mais c'est vrai, on n'aura plus jamais droit au fou rire de Stéphanie. Un SOS aux hommes en tenue, pour calmer la foule, qui ne cesse de grandir ici. Dans les heures qui ont suivi, les hommages se sont succédés par vagues, de la part de sa famille artistique, histoire pour chacun, de pleurer son départ. Aïcha Camoise, frappée par le coup, n'en revient pas. Ce n'est pas possible. Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je suis sous le choc. Mon sang, il est glacé. Je suis outrée. Je suis choquée. Mon Dieu! Mes lions et mes lions, aujourd'hui, comme je vous parle, j'ai perdu une tante. C'est un mari, pas ton âme. J'ai perdu une tante aujourd'hui. Je suis allée avec ma tante, j'ai pris ma tante, j'ai dit à mon autre tante, viens, on va au restaurant manger. Parce que je n'arrivais pas à croire. Je vais venir me coucher pour faire mon deuil. On m'envoie seulement les photos que Madame Cooper est morte. Au début, j'ai dit, je ne crois pas, c'est pas possible. Comment elle peut partir? C'est une personne que je ne suis pas vraiment, mais que je suis souvent tombée sur ses snaps. Avec son petit garçon. Oh, Seigneur. C'est la vie. C'est la vie si qu'on met l'importance sur ça, Mélion. C'est la vie si qu'on s'accroche dessus, Mélion. C'est la vie si qu'on se déteste, Mélion. Regardez une jeune fille avec tout l'avenir devant elle. Tu laisses ton petit garçon avec. Je suis tombée d'une. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais vous savez, c'est ainsi que ce qui me choque. Je suis tombée sur une de ses snaps une fois avec son fils. Peut-être l'âge de Kina. Tout à l'heure, j'étais au restaurant avec ma tante et je lui disais que le Seigneur me protège pour mes enfants, pas pour moi. Hi, coupe, tu pars où là, je suis. Alors, je sais pas où mes lions. C'est la vie qu'on met l'importance sur ça. Et pas où? Si jeune, 30 ans, 32 ans. Et pas où? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand j'ai vu les photos, je suis partie me renseigner pour savoir si c'est vrai ou pas. Maman, tu laisses ton petit garçon à qui? Yes, Seigneur. Vous savez pourquoi la mort me fait mal? Parce que je dis que je vais laisser Kenan à qui? Je vais laisser Kaiden à qui?
pour la poussière pour qui je vis. Si je les laisse, ils vont devenir quoi? Si je les laisse, ils vont devenir quoi? Qu'on retienne que c'est le souffle que Dieu nous donne qui nous trompe. C'est ça qui fait en sorte qu'on croit qu'on est supérieur à d'autres personnes. C'est le souffle que Dieu nous donne qui nous trompe. C'est ça qui fait en sorte que tu crois que tu me dépasses, je crois que je te dépasse. C'est ce petit souffle-là que Dieu nous donne. Je vous dis tous les jours ici, il faut profiter comme si c'était le dernier. Mes enfants veulent que je les fasse plaisir, moi je les fais plaisir. Parce que je profite comme si c'était le dernier, comme si je n'avais même plus un petit souffle. Si tu as envie de manger, te fais plaisir, mange. Parce que c'est avec ce plaisir-là que tu pars avec. Je vous ai dit qu'à un certain moment, je me prive moi, que je me privais. Maintenant, je me fais plaisir. Il y a des choses, comme je vous ai pris un exemple, le téléphone, je ne pouvais pas me jeter un téléphone à 1200, 1300 euros. Mais quand je vois comment les gens s'en vont, je dis, mais Seigneur, l'argent que je me tue, tous les... Excusez-moi, mes lions et mes lionnes. Je ne dors pas depuis que j'ai créé Camoise Beauty. Depuis que j'ai créé Camoise Beauty, je ne vis que pour Camoise Beauty. Ces derniers temps, j'ai dit, je stoppe un peu. Je me fais plaisir. Je me fais plaisir, je fais plaisir à mes enfants. Mais là, je n'ai jamais pris de vacances pour aller avec mes enfants. J'ai dit 2023, je vais aller en vacances avec mes enfants. Voilà le petit plaisir que je peux profiter. Mes lions et mes lions, je vais vous laisser. Je n'ai même pas le goût de faire ma pause publicitaire. Je n'ai même pas le goût. Je vais tout simplement dire, tous celles qui veulent avoir une peau éclatante, foudroyante et lumineuse, n'oubliez pas de vous procurer les produits de chez Camoise Beauty. Faites à base d'encre naturel et organique, ça ne décape pas. Rendez-vous sur le site www.camoisebeauty.com ou encore, nous avons des représentantes au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Amérique. Mais Lyon, si vous voulez vous faire plaisir, si tu as toujours voulu utiliser la gamme de Aïcha Camoise, ta soeur, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, ne connais que les enfants. Mais vous vous rendez compte, quelqu'un qui était en bonne santé, qui n'avait rien, et aujourd'hui on nous appelle musicalement. Monsieur, fais-toi plaisir. Tu as envie d'acheter ta perruque? Achète ta perruque. Tu as envie d'aller au restaurant? Chez Poupi ou chez Émile, je ne sais pas. Va t'asseoir, tu te fais plaisir. Tu as ton bon gars, tu as envie de piller, tu me fais. Tu veux jouer? Jouis bien. Jouis bien.